Salut, c'était les Cynthia et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. Hein. Une fois toutes les deux semaines maintenant, on est parti. On va parler de Saint Seiya Awakening évidemment. Et puis ensuite, on parlera un petit peu d'actions communautaires qui ont lieu autour du jeu, qui vont se passer tout bientôt. Let's go. On commence par la bannière, un rerun de Seraphina. Le personnage est excellent. Il s'agit évidemment d'un personnage EX. On ne va pas la présenter. Le personnage, je dirais pas qu'il est indispensable. Je dirais qu'il est quand même très très utile dans la méta actuelle. Et évidemment, sans surprise, elle ne rejoindra pas les poules de base après la bannière. Mais voilà, Seraphina. Attention cependant, car un nouveau personnage pointe le bout de son nez en duel sacré. Il s'agit d'Aphrodite Godclaws. Pour l'instant, il n'a pas vraiment fait ses preuves. Je pense que c'est un perso qui peut potentiellement être skip, mais on en reparlera la semaine prochaine pendant le Jamir. Donc le rerun de Seraphina, un skin flip, Frost mythique, un Pamir secret, un Bounty Trial, les sempiternels, hein, j'ai envie de dire. Et comme je l'ai dit, eh bien Aphrodite Godclaws qui rejoint le duel sacré. Ça veut dire que la semaine prochaine, en bannière, ce sera Aphrodite Godclaws. Un nouveau Cosmos Foundry Spirit, je ne l'ai pas, très honnêtement, je ne sais pas lequel c'est. Et bien sûr, le PvP mêlé du 13 au 17. New Saint Story Chapter Underworld Shun du PvE. Ça fait plaisir, mine de rien. Ils ajoutent petit à petit, hein, c'est plus que du goutte à goutte, clairement, mais ils ajoutent petit à petit des petits contenus PvE comme ça qui ne durent pas bien longtemps. On est d'accord, mais voilà, il y a eu des petits books. Maintenant, on a de nouveau le New Story Chapter Underworld Shun. Pourquoi pas? Pas de quoi casser trois pattes à un canard. On est bien d'accord. Pas de quoi se réjouir de manière incommensurable. On est d'accord, mais voilà le patch de demain. Au niveau de la chinoise, le nouveau personnage EX est annoncé. Il s'agira de Partita de la Chouette, un personnage de Lost Canvas. Pas forcément le personnage le plus connu ou le plus emblématique, mais un personnage qui a une clause qui pue la classe, ou même un surplis qui pue la classe. Pour le coup, je crois que la version qui va sortir, ce sera la version de Partita de la Chouette en Spectre. Wait and see, j'ai pas vraiment eu des infos par rapport à ça. En tout cas, prochain personnage EX ou SS, mais je pense EX clairement, eh bien Partita de la Chouette. Du côté de la commu, eh bien, CMAG, suite à son premier tournoi, nous gratifie d'un deuxième tournoi, Saint Seiya Awakening. Je vous ai bien sûr mis le lien dans la description. Le tournoi est 100% gratuit. Il se passera le 27 mai. Et à la clé, eh bien, une figurine mid-close de Thanatos. C'est pas dégueulasse et ça peut être plutôt sympa de participer. Vous avez toutes les infos sur le site que je vous ai mis juste en dessous en description. Et un petit recrutement de Légion, ça faisait longtemps, c'est Phoenix qui m'a demandé de le passer et c'est avec plaisir, c'est la Légion VK Saint, une Légion quand même relativement connue sur Saint Seiya Awakening, sur E1 Pegasus qui recherche des membres suite à une des diverses hémorragies de joueurs. Donc si vous cherchez une guilde quand même bien active, hein, VK Saint c'est quand même bien actif, eh bien vous pouvez sans autre postuler sur E1 Pegasus ou alors aller sur leur Discord. Au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas leur Discord. Je l'ai peut-être parmi mes 12 000 salons. Je vais regarder. Si je le récupère avant la fin de la publication, je le mets dans la description. Sinon, eh bien, je vous le mettrai dans la description dès qu'on me l'aura fourni. Et je tiens à terminer cette petite Cosmo News, ces cadeaux, en faisant un big, big up à Petronas qui va se reconnaître, bien entendu, avec qui eh bien, j'ai passé tout simplement mon après-midi et un bon bout de la soirée qui est venu me dire bonjour à Chiang Mai, un membre de la commu, un membre de 47 Ronin, pour le coup, qu'on salue. Donc voilà, un gros, gros bonjour à toi, Petronas, c'était très, très sympa. Et c'est la fin de la Cosmo News, les amis. On va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour le Jamir, comme d'habitude et comme de bien entendu. D'ici là, j'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. J'espère que l'été pointe gentiment le bout de son nez de votre côté. On se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.